Il y a des gens qui vont se moquer de vous. Mais toi, tu es toujours dans le sacerdoce royal. Un week-end, tu as travaillé tout le temps, tu es fatigué, tu ne peux pas te reposer. Tu es encore là au soleil. Et tu vois que chaque fois que tu participes à leur kairos, tu as quoi? Rien du tout. Tu n'es pas avancé, tu n'arrives pas à te marier. Tu es toujours au chômage, tu es toujours dans ta stérilité. Et Satan te met ça dans le cœur. Et tu peux dire, ah oui, je perds vraiment mon temps, je vais ailleurs. N'y va pas. C'est l'œuvre de Satan. Reviens vers le Seigneur ton Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ton jour. Et Dieu t'attendait ici pour te bénir. Pour cette promotion que tu recherches, ce mariage que tu recherches, cette fécondité que tu recherches. Peut-être c'est aujourd'hui même. Alors reviens vers le Seigneur ton Dieu. À travers la voix du prophète, c'est Dieu lui-même qui t'invite à revenir vers lui. N'écoute pas Satan. Tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de ce groupe sacerdoce royal qui nous donne cette occasion de l'adorer, de le prier, de lui confier nos soucis. Reviens vers le Seigneur ton Dieu. Reviens, venez à lui, parce que lui, le premier, a souffert de l'ingratitude, il a pardonné. Ici. Il était avant nous, c'est lui qui nous accueille à travers cette famille du sacerdoce royal. Thank you.
enfants. Je leur donne des défis à relever. Je veux changer la face du monde. Et je vais déposer une parole sur leur cœur. Je vais déposer les mots dans leur bouche. Et je vais leur donner la possibilité de réaliser ce miracle. Ce monde changera par eux. Ce monde avancera par eux. Je les donne. Je les appelle. Je les consacre. Et je confère l'onction à ceux que j'appelle. Il plaît à Dieu ce soir. De façon forte et puissante. Depuis ma droite jusqu'à ma gauche, sous la roche, il dit j'appelle qui je veux. Je l'ai rempli de mon onction. Homme, femme, jeune, vieux, enfant, l'onction de Dieu va les amener jusqu'ici. Laissez-la venir. Soudé. Ah, mon défendeur est soudé. Oh, Jésus.